Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le Vlogmas numéro 9. Nous sommes déjà le 9 décembre. C'est un truc de malade, ça fait déjà plus d'une semaine quoi. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie donc faut que je me dépêche. Il est actuellement 7h20, je suis très contente. J'ai réussi à me lever à 6h20 aujourd'hui. Très très contente parce que du coup là j'ai fait le montage et tout pour la vidéo qui sortira du coup ce soir je pense parce que j'aurais pas le temps de faire ça avant, mais au moins c'est monté et tout et tout. Donc voilà, je suis très très contente, je voulais vous le dire. Je me suis levée tôt, je suis très très ravie. J'ai plus de batterie donc je vous retrouve ce soir après le boulot et souhaitez-moi bon courage. Merci. Je suis chez moi, je suis déjà en pyjama parce que vraiment j'ai passé une journée de merde. J'ai passé une semaine de merde. Donc je vous avoue que j'ai pas forcément envie de faire pas mal. Enfin, j'ai pas envie de faire de DP. J'ai pas envie. En fait, j'ai envie de rien faire là. J'ai juste envie de me caler dans mon lit et de regarder une série ou un film. Parce que vraiment, je suis vidée en fait. Vous voyez mes petits chats là? Toujours en train de faire des conneries. Je suis vidée. Cette semaine m'a vidée. Heureusement, on est le vendredi. Je crois que je vous ai déjà dit ce matin. On est le 9 et c'est bon, c'est le week-end. Après, je vous avoue que demain sera une journée chargée. Demain, je vous vloguerai ça de toute façon, mais j'ai pas mal de choses à faire. Voilà, donc je vous avoue que là, je sais pas trop ce qu'on peut faire. Je vais quand même faire l'effort de faire la case numéro 9 avec vous. Mais je pense que je vais le mettre en accéléré, que je vais pas vraiment parler parce que vraiment, j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. Mais je veux quand même y tenir sur les vlogmas. Lundi, je n'ai pas pu le faire. Enfin, j'ai pas pu filmer lundi, donc déjà ça m'a énervé parce que j'ai envie vraiment de vous faire ces vlogs un peu tous les jours. Mais là, ouais, c'est en fait vraiment tout l'énervement que j'ai eu, tout le stress, l'angoisse que j'ai eu, tous les problèmes que j'ai eu de la semaine, c'est en train de retomber là maintenant. Donc je vous avoue que j'ai pas forcément envie de parler. Je vais quand même faire ma case. Mais en accéléré avec une petite musique, donc veuillez m'en excuser, on ne parlera pas beaucoup aujourd'hui, mais au moins vous allez avoir un vlog. D'ailleurs, le vlog qui doit sortir aujourd'hui, le 8 décembre pour moi, j'ai coupé, je pense que je vous ai dit ce matin, mais j'ai fait le montage ce matin, je me suis levée tôt. D'ailleurs, au final, je suis partie tôt au boulot pour rien, enfin bref. Je préfère même plus en parler. Je suis quand même arrivée à 8h30 pour rien. Voilà. J'ai 1h30 de rien. Bon. Donc je vous ai dit, je pense ce matin, mais j'ai fait le montage et tout ce matin. J'ai exporté une partie ce matin. Il n'y a eu que 39%, un truc comme ça. Donc là, j'ai remis depuis que je suis rentrée. Là, je suis à 60%. Et pourtant, c'est pas un long vlog, hein. Il fait 24 minutes, donc je sais pas pourquoi ça met autant de temps. On dirait que c'est une vidéo 30 là, ou 35, enfin bref. Donc je vais essayer de vous le mettre dès que c'est dispo, de toute façon. En soi, ma miniature, je l'ai déjà. la barre d'infos, je vais réutiliser celui de la veille, du vlog de la veille. Donc ça va être assez rapide, je vais vous la mettre dès que c'est possible. Et voilà, donc je vous laisse là, je vais faire un peu mes trucs. Je pense que je vais aussi faire un peu de rangement chez moi au final. Je vous prends tout à l'heure. De toute façon, je peux pas faire de montage tant que ma vidéo là n'est pas terminée, n'a pas fini de s'exporter. Donc au pire, c'est pas grave si je mets du temps à monter ce vlog et à l'exporter. Au pire, ce sera pour demain matin. Et comme demain c'est samedi, j'aurai un peu plus de temps pour faire ça. Voilà, je vais faire du rangement parce que là, j'ai toujours mes vêtements. J'ai toujours mes vêtements, la vaisselle n'est pas faite depuis 3 jours. Mais comme je vous dis, c'est très compliqué. Et pourtant, je me mets un point d'honneur à faire de la vaisselle tous les soirs, à ranger mon linge sec, c'est
bon. Mais là, non. Enfin, non, non, non. Voilà. Pareil, ça fait peut-être ouais, 3-4 jours que j'ai pas passé le balai. Bon, quand on a déjà, c'est pas très pratique de faire ça, mais voilà. Je vais faire un peu de rangement. Je pense que faire du rangement, vous savez, bon, c'est chiant, mais quand on est embrouillé comme ça, bah, ça permet aussi de vider tout ce qu'on a en tête. Donc je vais faire mon petit ménage. Je vous reprendrai bah, en accéléré tout à l'heure pour faire ma caisse du DP numéro 9. La caisse de demain est assez longue, enfin c'est une grosse, assez longue non, la caisse de demain est plus grande plutôt, et je pense que je vais faire de mon côté, et on fera ensemble plutôt mon DP, bah d'ailleurs ça fait long, je voulais le terminer pour fin décembre, mais du coup ça fait quelques jours que je ne fais pas de DP en carré parce que I don't have time. Et bah demain j'aimerais bien faire un peu de DP en carré avec vous, un petit bout. Et c'est tout quoi. Et je pense que je vais essayer de regarder si on n'a pas également un tag là qui tourne pour faire un tag avec vous. Bref, de toute façon on verra tout ça demain. Je vais faire mon petit ménage. Je vous dis bah, tout de suite pour vous. Bonjour. Je vous reprends. Ça fait un peu... J'aimerais bien être comme ça. Je pense que je ferai un lifting quand je serai un peu plus âgée. Bref, je vous reprends, il est 20h16, c'est bon, j'ai fini mon petit ménage. Ce qui est bien, c'est que quand t'as un petit appart, ça dure pas si longtemps que ça. Donc c'est cool, j'ai fait ma cuisine, j'ai tout rangé, j'ai même réarrangé, et ça fait beaucoup plus de place. J'ai fait la vaisselle et tout, enfin je suis trop contente. J'ai enfin fait le balai, pareil quand je recevais du courrier, je mettais, j'empilais en fait, et là j'ai tout rangé dans mon porte-documents. Les trucs importants et les trucs pas importants, j'ai jeté. Mais voilà, je suis trop contente, tout ça c'est fait, la caisse des chats c'est fait, le balai c'est fait, le linge c'est rangé. Ouais, là je suis ravie, ravie. Il reste 5 minutes sur ma vidéo. Donc je vais attendre les 5 minutes, ensuite je vais la mettre en ligne, je vais la mettre sur YouTube, et quand elle pourra bah, se mettre en ligne. Voilà, ça ne change pas le fait que je vais quand même vous faire un DP accéléré, parce que j'ai pas grand chose à vous dire au final. Demain il y aura un peu plus de choses, comme je vous ai dit j'ai pas mal de choses de prévues, j'ai déjà juste de recevoir un colis. Oui, vous savez, j'avais décalé la semaine dernière, samedi dernier, parce que je pensais aller chez mes parents et parce que j'avais un autre truc, mais j'ai oublié quoi. Et du coup, ouais, j'ai décalé à ce samedi. Et je dois aller chercher un colis, un point relais. Et bah, j'aimerais bien aller acheter le cadeau de ma soeur. De toute façon, elle le sait déjà, je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Mais pour pas trop cher, parce que ben moi, ben voilà, vous savez très bien, là c'est très compliqué. D'ailleurs, j'ai vendu pas mal de choses sur Vinted, donc je suis assez contente. Et j'ai vendu une toile d'ac. Comment vous dire que j'ai eu la larme à l'œil, mais c'est une grande toile, c'est une nappe. Je suis dégoûtée. Après, je sais qu'elle est encore dispo sur DAC, mais bon, le jour où je pourrai, je ferai. Pour l'instant, j'ai besoin un peu d'argent et... alors là je pense que j'aurais coupé, en tout cas j'espère, parce que j'ai failli m'étouffer. Oh punaise. D'autres petites choses. Donc je suis contente, voilà. Au moins ça me fait un petit revenu en plus, mais je garde pour au cas où. Par exemple, bah, vu que je dois payer mon permis, bah, je pense que j'utiliserai ça, vu que c'est la moitié de ce que je dois donner à l'auto-école pour la conduite quoi. C'est là je vais avoir la moitié juste avec mes ventes Vinted, donc je suis très contente. Bon, la moitié de bah, en fait là je dois donner 440 euros, voilà, j'ai fait 200. Bon, après j'ai pas fait plus de 2, j'ai fait 200, voilà. Donc c'est très très bien, je suis très contente, donc je vais utiliser ça pour ça. Ça va bien m'aider, je vais faire ça au mois de février en fait, le permis, parce que le mois de janvier j'aimerais bien mettre de côté un petit peu quand même,
Et ensuite, au mois de février, bah, faire, faire ça. En fait, c'est ce que je disais à ma mère. Je lui ai dit, écoute, là, ça fait des années que je paye des trucs, J'ai encore des trucs à payer l'année prochaine. Mais j'aimerais bien avoir un mois où je n'ai rien, tu vois. Et là, pour une fois, je touche du bois. Mais c'est pas du vrai bois, je touche une patte de lapin. Un petit lapin. Je touche tout ce qu'il faut toucher. Je prie tout ce qu'il faut prier. S'il vous plaît. Il serait temps. Il serait temps de me laisser tranquille. Il serait temps. Franchement. Vous savez très bien que je suis quelqu'un de très, très joyeuse. Tout ça, tout ça. Alors, le mois de décembre, ça a été très compliqué. Il y a des moments où je me disais, c'est pas grave. C'est rien. C'est pas grave. Mais là, au bout d'une semaine, je suis à plat. Alors, j'espère que ça va pas continuer comme ça tout le mois de décembre. Parce que... ça va pas aller, clairement ça va pas aller. Je pense que je vais devoir me mettre en congé tout le mois en fait, sinon. Mais je peux pas. Mais déjà j'ai hâte, j'ai tellement hâte, je compte les jours. Sur mon téléphone j'ai un truc de compte à rebours, en général je mets ça quand il y a des trucs qui arrivent et que j'ai hâte. Donc je vais sûrement mettre pour le 19, c'est 19 mais il y a le week-end avant, donc c'est quand, c'est 14 je crois, non 16, ouais, le 16, faut que je mette une alarme pour le 16 au soir, enfin une alarme, un compte à rebours jusqu'au 16 au soir, et je suis très contente, j'ai tellement hâte. Bon, au soir, c'est juste la fin de la semaine prochaine, quoi. Oh, c'est la fin de la semaine prochaine, trop hâte. Oh. Calme-toi, mais j'ai si hâte, si vous saviez, franchement, 4 jours, ça va faire tellement du bien. Bon, le lundi, j'irai peut-être chez mes parents, mais je me garde la matinée pour aller faire mon tour, parce que ça fait longtemps que je suis pas allée à Action, Cultura et tout, je suis même pas allée à Cultura. Bon, là, je vais devoir y aller ce samedi pour ma sœur, justement. Et mais j'aimerais bien faire un tour quand même à Action, donc je vais essayer demain matin de faire ça. Et samedi pro, bah, j'essaierai de voir d'autres petites choses. Voilà. Je suis trop contente. Bon. Bon, ce vlog sera trop long si je continue comme ça. Au final, j'avais dit que j'avais rien à dire et j'ai blablaté. Mais ouais, quoi, ça arrive, c'est comme ça. Hein. Des fois, on a l'impression qu'on a rien à dire et au final, il se passe plein de choses dans une vie. Hein. Il se passe plein de choses. T'as l'impression d'avoir une vie nulle où il n'y a rien, mais en fait, non. Faut toujours voir le positif et vous savez que je suis quelqu'un d'assez positif, mais là non, si là ça va, là ça va beaucoup mieux. Le ménage m'a fait un bien, mais un bien fou. J'aurais aimé aérer la pièce, mais bon, hein, j'ai pas allumé les radiateurs en arrivant pour rien, quoi. Donc ce sera demain, je mettrai pas le radiateur ce soir et j'aimerais bien aérer cette maison. Parce que là, avec, c'est pas possible, quoi. Quand je rentre chez moi, il est déjà 19h. Je vais pas ouvrir alors qu'il fait moins 5 dehors, quoi. En plus, il fait noir. Il y a les passants, parce que je suis en rez-de-chaussée. Il y a les passants et tout. Puis il y a les voitures, c'est le bouchon et tout. Non, non, non. Mais demain, ça va être bien. Et pour les chats, ils pourront sortir. Parce que là, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Après, en même temps, vu qu'il fait froid, en fait, ils sortent même pas. Quand j'ouvre un petit peu, ils aiment bien juste se mettre au rebord et regarder. Parce qu'il fait trop froid pour eux aussi, en fait. Mais voilà, j'ai hâte d'être à demain. Mais déjà, je vais profiter de cette soirée pour me coucouninguer. Ça se dit pas, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, allez, je vous mets sur mon DP en accéléré. Donc, je vous retrouverai pour clôturer. Thank you.
Voilà, j'ai fini ma petite caisse, enfin je crois. Oui, j'ai fini. Et je suis contente. Bon, là, c'était un aplat de couleurs, hein, clairement, mais j'ai encore failli m'étouffer. Mais là, vous voyez, on avait trois petits diamants spéciaux, donc je suis très contente. Donc là, c'est les boutons du bonhomme de neige. Donc je suis très très contente. Et donc on aura vraiment, comment dire, le 24, la tête du bonhomme de neige. Donc ça va super bien rendre. Donc je suis très 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 contente. J'aime bien faire ce DP. Ces petites cases à chaque fois, j'aime beaucoup. Alors je range juste ça. Et demain, je ferai de mon côté le 10. Non, mais on est déjà le 10 décembre, quoi. Ça passe vite. Mais d'un côté, là, j'aime bien quand ça passe vite parce que j'en ai marre. Mais je suis très contente. Je vais vous montrer un peu de loin la toile. Pour que vous voyez. Attendez. Hein, voilà. C'est pas trop magnifique? Je suis trop contente. Donc, comment dire? Donc là, on aura le 10, le 11. Donc, on va arriver un peu plus vers ce côté. Parce que c'est vrai que là, on était vraiment là. Là, on va arriver vraiment sur le côté droit de la toile. Là, le 10, le 11, le 12. Donc, ouais, on va carrément faire tout ça, quoi. Le 12. Bon, après, le 13. 14, ouais. Ok. Non, mais c'est nickel. C'est parfait, je suis très contente de cette toile. Bah écoutez, c'est tout pour ce petit vlog, j'espère très court. Je suis désolée, franchement j'ai une journée, une semaine compliquée, donc je ne suis pas vraiment de très bonne compagnie aujourd'hui. Demain est un autre jour, demain plein de choses de prévues, demain plein de petits colis à ouvrir, demain ça va être cool. Donc bah je vous dis à demain et j'espère que vous avez passé un bon... un bon 9 décembre, mais bon, vous voyez cette vidéo le 10, donc j'espère que vous passez un bon 10 décembre aussi. Voilà, un bon week-end. Bisous, à demain !